Bonjour, mon colonel. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes l'invité du dimanche. Et nous sommes venus à votre rencontre, c'est pour qu'on parle du quartier Plateau de 15 ans, parce que vous êtes un des natifs et vous avez beaucoup de choses à donner à ceux qui vous suivent en ce moment. Et vous pouvez vous présenter, mon colonel. Oui, je me présente, je suis le colonel Jerry Mongo, ou Mongo Guy. Je suis natif du Plateau de 15 ans. J'habite Plateau de 15 ans jusqu'à nos jours. Dans, en quelle année vous êtes rentré dans ce quartier? Bon, au plateau de 15 ans, je suis rentré, je devais avoir 2 ans, 59. 59, ça me fait 53 ans de quartier. Donc j'ai vu, pas naître le quartier, mais j'ai vu évoluer le quartier. Tout le monde, je connais le coin, les recoins du quartier, du plateau de 15 ans. Presque toutes les familles qui ont vécu au plateau de 15 ans, et on se connaissait. Alors, lorsque vous êtes arrivé en 59, quelles sont les familles que vous avez trouvées sur place et qui étaient déjà avec vous? Oui, effectivement, vos nous, amis... avons trouvé, nous avons trouvé d'autres maires qui étaient là, le premier petit le quartier. Et il y avait aussi le Kiongazi qui était là, il y avait plein de... Enfin, on n'était pas nombreux. Et puis, il y avait le gardien qui habitait avant d'arriver chez la famille Kolela, chez les amateurs. Oui, la sentinelle du quartier habitait là, parce que le quartier était gardé par une sentinelle. Comme c'était le quartier SIC, la Société Immobilière du Congo. Le quartier était gardé. C'est M. Batanga qui était le directeur général, lui qui habitait l'autre côté là-bas. Alors, vous diriez, lorsque vous arrivez en 59, il y avait un CONSIC et le... Parce qu'on parle de la, vous avez parlé de la compagnie, de la société immobilière. Et comment ça se passait à cette époque? Comment ils étaient organisés? Mais la société immobilière était organisée comment? Ils ont construit des maisons et qu'ils mettaient en location-vente. Et je me rappelle, la location était à 500 francs le mois. À 500 francs le mois. Ah mais 500 francs à cette époque-là, c'était beaucoup. Hein? Oui, c'était beaucoup parce que j'ai vu les factures. Enfin, je me mettais à fouiller le document de papa, j'ai revu les factures, 500 francs le mois. Et puis, un peu après Kratéchik, il y avait le village Mpiaka, là où se situe l'hôtel Mpama, là où était Papa Jacquet. Si vous avez connu Papa Jacquet, tout le secteur, c'était un village. Juste sur l'hôtel-ci, là. Entre l'avenue de Relax, okay. Chocolaté, et l'avenue Loutassi. Il y avait un village là, la rue Lolo. C'était un village. Okay. Un village de Piaka, il habitait les Bateke, les Loukibi habitent même là. Hein, ils sont natifs de ce village là. Et donc, si je vois bien la ville, les villages Piaka, c'est la même famille Piaka qui est dans le quartier. Mais oui. Mmh. Mais plus c'était les Bateke de Kingui, okay, qui habitaient là. Papa Jacques aussi habitait là. Lui, c'était un Tchadien. Il y avait aussi des Tchadiens qui habitaient le quartier parce qu'ils étaient démobilisés après leur service militaire. Ils venaient là. Okay. Et puis, vers l'école de filles, il y avait des cimetières. Des cimetières des Tchadiens, des métiers Tchadiens. On les a enterrés là, même jusqu'à présent. Quand on joue au ballon, il y a des dalles qui sont là. C'est des tombes. Mmh. Oui, c'est des tombes. C'est des tombes des Tchadiens. Et donc, finalement, Jerry, vous avez vu... l'école de filles, l'école de garçons et peut-être l'armée du salut et les kimbanguistes en train de construire devant vous alors. Oui, l'école de garçons, surtout l'école étage a été construite devant moi. Bon, l'école de filles existe déjà. Bon, l'armée du salut et kimbanguistes ont été construites un peu avant moi, mais seulement. On se retrouvait à l'armée de salut tous les jeudis. Toute la jeunesse de quartier chic se retrouvait là les jeudis. Qu'est-ce qu'il y avait au niveau de l'armée du salut? Parce que j'ai appris en passant que le centre culturel, il y avait des terrains de basket, un peu tout. Pouvez-vous nous parler de ça? C'était un foyer où tout le monde se retrouvait. Comme dans le temps, on ne fréquentait pas les jeudis. Donc les jeudis, tout le monde, tous les enfants se retrouvaient là-bas. Il y avait le catéchisme, il y avait la lecture, il y avait le ping-pong. Là, c'est à l'armée du salut. Oui, à l'armée du salut. Il y avait le basket, il y avait le foot, il y avait le volley, il y avait tout. On appelait le foyer. Voilà. Et puis le soir, suivi d'un cinéma, d'un film éducatif.
Et j'ai appris que tout le monde allait suivre là-bas. À l'époque, il y avait pas assez de gens qui avaient télévision. Non, tout le monde allait suivre là-bas. À l'époque, il y avait que le vieux Mayombe Tien qui avait la télé. Il y avait l'alimentation là-bas. Là, ouais, chez Ndandjo Mopio, là. Oui. Vers l'école de garçons, la rue Mayombe à Langue. Là-bas, il y avait la télé. Mais sinon, tous les jeunes, nous suivons la télé au foyer. Et ça nous a permis d'avoir la même éducation, le même comportement. Et le respect mutuel. Et puis, on se connaissait de nom et de famille. Exact. Donc, si je vois bien, il y avait vraiment une cohésion autour des familles. Et, effectivement, il y avait une cohésion autour des familles. Moi, je pouvais arriver chez Malonga, chez Mambeke, chez Mbemba Belva. Si à midi, ils ont mangé le Madessou, je dois manger là. Et vice-versa. Donc, on choisit. À midi, tu peux être chez les Boseko, tu peux être chez les Ekunzola, tu peux être chez les Kiongazi, chez le Kouvoi. Chez les Malonga, chez les Mbemba, tu manges. Il y avait cette entente-là dans le quartier. S'il n'est pas de ta famille, il avait le droit de venir t'éduquer à la maison. Tu te comportais très mal. Et lui, oui, il avait le droit. Nous, on a eu les grands Darios, on a eu le vieux Dieudonné, le vieux. Mais c'était le respect, c'était la discipline. Tu te mettais à genoux et on te talochait. Et les parents ne disaient rien. Ils disaient rien. Il disait rien. Il permettait, parce que ça nous permettait, nous, d'avoir l'éducation de ces grands. Hein. Ok. Mais maintenant, à cette époque, pouvez-vous nous citer vos amis qui étaient avec vous, soit à l'école, que vous avez encore gardé plein, 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 plein. Qui étaient du quartier, du plateau des 15 ans. Bon, le plateau des 15 ans, il y avait les Congolais là, il y avait les Kiongazi, il y avait les Baunda Bastos, ça c'est mes grands. Il y avait le vieux Belva, ils sont nombreux, sont partis, nombreux sont en France, nombreux sont morts. Les Samba Jean-Claude, Claudie, les Opa Roger, le Opa c'est ici. Il y avait Jean-Jules Okabando, c'est un garçon de. Oui, il est du quartier. Il y avait même celui qui est président de l'Assemblée nationale, Kumba. C'est un enfant de plateau de 15 ans. Ils sont nombreux, les enfants de plateau. Ok, mais donc finalement. Tabenzé et tout ça. Donc il y a finalement beaucoup d'enfants du plateau de 15 ans qui sont élevés en dignité dans ce pays-là. Nombreux, beaucoup, ils sont beaucoup. Ok. Alors, mais bon, l'association, nous parlerons de ça avec le président de votre association, mais parce qu'on se rend compte que vous êtes nombreux, et donc vous pouvez toujours regrouper tous ces fils du plateau de 15 ans partis partout. Hein. Est-ce que vous pouvez toujours vous organiser à cela? Mais oui, surtout on tient à cela, surtout notre président, vraiment, il tient à cela. Il tient à cela. Le jour que vous allez parler avec le président Darios, il vous le dira. Il tient à cela, à l'unité de plateau de 15 ans. Que ce soit à Dolisie, à Boko, à Pointe-Noire, aux États-Unis, en France, à Kinshasa, là où les enfants de plateau de 15 ans sont, ils doivent se regrouper. Exact. Et c'est pourquoi je pense que par le support Plateau Mon Quartier, ça sera plus facile pour vous de retrouver tous ces fils, parce qu'apparemment, pas apparemment, mais ce que nous constatons, les fils du plateau de 15 ans de partout, ils sont en train de s'organiser. En fait, ils se retrouvent autour du support Plateau Mon 15 ans, Plateau Mon Quartier, où ils vous suivent. Et ça sera en fait une bonne chose. Je rencontrerai le président et je mettrai en relation avec tous ces fils qui sont partout du plateau de 15 ans. Comme ici au Congo-Brazzaville. Oh, s'il veut les documents, bon, il verra avec le président, l'organisation, le règlement intérieur. Comment est-ce que nous sommes organisés, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous voulons faire d'avenir. Ça, le président, il sait, il y a un programme avec lui. Bon, le seul, lui, qui peut parler, c'est moi. Je ne suis pas habilité à le dire, je suis qu'un membre. Enfin, je suis un cofondateur, mais je ne suis pas président de la mutuelle. Ok. Vieux Diri, on a constaté de nos jours, il y a une jeunesse, il y a beaucoup des gens qui, des nouvelles personnes qui viennent de le quartier. C'est vrai que les quartiers sont appelés à changer avec le temps, parce qu'il y a des nouveaux qui viennent et c'est des nouvelles mœurs qui s'installent. Par rapport aujourd'hui, c'est dû à quoi? C'est dû, bon, il y a eu les décès des parents qui ont permis à d'autres de revendre les maisons, de revendre. Et puis il y a eu des locataires, des nouveaux qui sont venus dans le quartier. C'est après la guerre surtout qu'on a constaté ça. Des nouvelles habitudes. Regarde un peu sur l'avenue Relax, entre le Relax et Chocolaté. Ça, c'est devenu Matongé. Exact. Tu vois, c'est la dépravation. Hein? Il y a même des petites qui se baladent là, nulles. Ah oui, avant-hier, je me baladais avec le président, j'ai été voir le président.
le président, bon, vers 23h, il me raccompagnait à la maison. Mais nous sommes passés à l'âge de président, mais vraiment le quartier est parti. On a perdu le quartier. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a eu envie d'avoir de l'argent. Et voilà, on a vendu le quartier. Voilà ce qui se passe là. Des petites, en petites jupes, en jupettes, en caleçon. Surtout qu'ils ont des journées Mapuka dans ces boîtes là. Mais tu vois les petits anciens sortir dans la rue. Ce jour-là, j'ai appelé même le commissaire de PSP pour dire de temps en temps, on va nous la patrouille dans l'avenue Ngoko, parce que ça va pas là, ça va pas. Okay. Donc finalement, le constat fait, les mœurs du plateau sont en train de disparaître. Cause de ça. Mais bon, par l'association, je sais que le dynamisme que a le président Darios et vous autres là, et je pense que les choses vont s'améliorer parce que ça va toucher un peu tout ça là pour essayer de restaurer l'unité du plateau de 15 ans et même l'image. Bon, je crois parce que le président Darios s'efforce un peu à le faire. Hein? Quand il y a des réunions, il s'efforce toujours à le faire et à nous dire et à nous rappeler que n'oubliez pas tous à mon corps. Faut pas. Nous restons un et indivisibles. Donc, essayez un peu d'encadrer le reste des petits qui viennent après nous. Ok. Bon, vieux Géry, bon, tu continues maintenant dans ma solo à Katining Balobaka. Bon, mais tout à l'heure que Siko, le dimanche, est commandé dans le plateau. Dimanche, bon, Bino Borganiza Kangonde Nini, là, le président, Bino tout, le Vandaka, est-ce que. La Bandako, beaucoup de la Ganamo, abattu à quartier, bon, encouragé que moi, avec lui, et les Galandé Nini. Bon, dimanche surtout, bon, maintenant, dimanche, ça dépend comment on a un groupe, hein. Mais si c'est parce qu'on organise un sport, après sport, bah, qu'on se retrouve et pas démarrage, bon, mais là, bah, les Angoulou, tout ça. Bon, nous, quelquefois, bon, moi, quelquefois, je fais mon sport individuellement, comme quelquefois, je fais ma nage, ou je vais jouer au basket au centre sportif. Maintenant, là, on est en train de s'organiser avec Miyabi Chaleur et les autres pour que les dimanches, qu'on se retrouve pour faire un sport de masse. Un sport de masse pour essayer de ramener un peu tous les enfants de plateau de 15 ans à faire le sport ensemble, au lieu d'être dispersés. Okay. C'est le constat qu'on a fait, hein. Les gens sont vraiment dispersés. Je vois beaucoup d'associations qui sont là, qui font du sport ensemble de masse. C'est vrai. Mais ça serait mieux, moi je pense, que vous, qui êtes des doyens, qui avez dit à la grande association Manakonsix, et même le plateau, organisez cela, je pense que tout le monde suivra. J'ai commencé déjà à le dire depuis... Il y a 2 semaines, avec les Lipton, on s'est retrouvés chez les mains. J'ai dit, bon, les gars, on doit s'organiser pour faire le sport dans le quartier. Hein? C'est bien de venir s'asseoir, boire, manger le ngoulé, puis après, il n'y a rien. Bon, on doit s'organiser pour faire le sport. Chaleur m'a dit aussi, j'ai dit, Chaleur, toi, au moins, tu es là, tu peux organiser ça, et on va essayer de ramener tout le monde. C'est ce qu'on est en train de faire petit à petit. On va démarrer bientôt. Ok. Bon, là, nous avons constaté une chose. Nous perdons beaucoup des jeunes du quartier. Vraiment là on vient encore de perdre un qui est lui qui est mort en Belgique. Je crois que le corps est arrivé. Oui, mon petit. On l'a enterré, je crois. Et voilà. Vraiment le message c'est quoi? C'est faire attention. Là on met les pieds. Bisimba Simba Totika. Là on met les pieds, il faut faire attention. Il faut voir avec qui être. Avec qui parler. Il faut faire très attention. Et puis il y a plein de maladies. Il y a plein de maladies, il faut choisir où mettre le pied, il faut choisir avec qui partir, quel partenaire, il y a ça aussi. Et puis j'exhorte beaucoup la jeunesse partie de 15 ans à être dans la prière. Nous, on a été éduqués là, à Jésus ressuscité par morisure. Quand il y avait encore la chapelle, on a commencé quand il y avait pas encore cette église là. Il y avait un terrain de basket là où il y a eu l'église. Il y avait un terrain de basket, il y avait une petite chapelle où le père Fourmont venait faire la messe. Il quittait la cathédrale, il venait faire la messe ici-là. Et il y avait le catéchisme par la chapelle. Là habitent les sœurs. C'était ça la chapelle, c'était là nous prions. Mais là où il y a l'église, c'était un terrain de basketball et de boxe et de tennis. Je me rappelle, mon papa a fait la boxe là-bas. Wow. Il a joué au tennis là au basket. Voilà, c'était un terrain. Et donc finalement le quartier était bien organisé où on avait réservé des places de sport pour les habitants et puis autre chose. Et là, de nos jours, on a tout perdu. Hein. Il n'y a pratiquement plus rien. Le quartier était très bien organisé. Là-bas, il y avait le sport. Il n'y avait pas trop de bars, pas trop de boutiques. Nous, la boutique, on allait chez Maliona. Ah oui, la boutique ici, il n'y avait pas. On allait chez Maliona. Après, chez Tabadibri, qui est venu ouvrir la boutique là.
dans la Runko, à l'angle, là où est Damien Miakassissa a ouvert son gandal. Ouais, c'est là. Et puis le bar, il y avait chez Taïtiel, il y avait Tahiti Bar un peu en bas, et puis il y avait Cabane Bontou. Voilà le bar qu'il y avait dans le quartier en ce temps-là. Je ne sais pas si je me trompe, mais les gens aujourd'hui, c'est après. C'est après. Voilà, ils sont. Voilà, c'est même pas Katé chez la Blanque, ils sont venus après. Et là-bas, c'est le Conchic, c'est ça? Non, 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 là-bas, c'est plateau de 15 ans. Le Conchic, c'est ceux qui habitent la maison, c'est immobilière. Okay. C'est ça le Conchic. Ah, donc, c'était pas trop grand, si le Conchic, finalement? Non, 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 il n'était pas trop grand. Il n'était pas trop grand. Il partait de la rue Ndouo à la rue Voula. Voula, 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 qu'on appelle la bretelle un peu vert, vers chez le collet là, 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 là derrière. Okay. Ah, voilà. Oui, oui, bon, un peu avant Félien, j'avais d'abord la première équipe, c'était Volcan. Volcan, il y a eu des mésententes, d'autres sont partis, les grands, les mi-tchèques, ils sont allés former les FC Tchèques. Bon, après FC Tchèques, bon, il y a eu la naissance de Super Veya, bon, il y a eu Super Veya, il y a eu Saint-Nazaire, il y a eu Saint-Nazaire, il y a eu Foudre, Foudre, il y a eu FC Eba, il y a eu Tempête, il y a eu Santos. Et à cette époque-là, ils jouaient au football ou ça? Il y avait des championnats qu'ils organisaient? On jouait au football là où était le marché, là où est le marché là. Ah bon, il y avait quoi là-bas? C'était un stade, on l'appelle le stade Wembley. Au marché de plateau de 15 ans. Au marché de plateau de 15 ans, oui. Ok, mais belle info, hein. Ben vous oui. Qui suivez, je pense que vous entendez très bien ce qu'on dit. Le marché n'était pas là, il y avait un match de football. Non, il y avait un terrain de football. On appelle et un peu. Maracana, c'était à l'école. Et puis okay. Bon, le marché, c'était un hangar. Qui partait de chez les Fodé jusqu'à chez les Atonga, là. C'était un hangar. Okay. Ouais, donc, de l'autre côté, il y avait une fontaine publique au milieu, là où tout le monde allait poser l'eau, sauf nous qui habitions les maisons sociétés immobilières, nous avions les fontaines dans les maisons. Mais ceux qui habitaient les alentours, à partir de 15 ans, pas le quartier catholique, puisaient l'eau à la fontaine publique là-bas, au marché. Eh bien, le quartier, finalement, plateau des 15 ans, a beaucoup changé, hein, avec ce que nous apprenons. Vraiment, c'est une bonne chose parce que je sais qu'on va rencontrer beaucoup de gens qui nous parleront de ça. Et maintenant, à l'époque, nous, on a connu au 8 mars. Est-ce que Polyvalent, à cette époque, Polyvalent, il y avait le match Polyvalent existait, mais il n'y avait pas de match au Polyvalent. Okay. Non, non, non. Et puis le marché de nuit, c'était là où Mawena a construit sa maison, là. C'était là le marché de nuit. Okay. Oui, le marché de nuit, c'était là. Il n'y avait pas la maison de Mawene, il n'y avait que le PSP. Après le PSP, c'était le marché de nuit. Mmh. Voilà. Pour le sport à Polyvalent, vous avez une idée en fait? Si, à Polyvalent, je me rappelle, il y avait un ancien Cooks qui était un officier de police, qui avait une équipe de sport, qui avait organisé un championnat là-bas. Un championnat, il y a même Foucault Farès qui a joué, et Matemene, Bimbeni, et tout ça. Ah, ils sont partis. Ah oui, oui, nous qui avons joué, Jean Loco, plein de gens, on a joué là à Polyvalent. C'est même joueurs qui ont joué au stade de la Révolution. Ah, donc le plateau de 15 ans, tous ces stades ont sorti des grands joueurs de ce pays-là. Mais oui, mais Chaleur est sorti de là aussi. Charles est sorti de là, Matomé est sorti de là, Jean Loquet est sorti de là, il y a Samba Brice qui est sorti de là, il y a plein de gens qui sont sortis de Polyvalent de 8 matchs. Donc ça veut dire que le plateau de 15 ans, c'était pas un quartier qui était bas, mais c'était un grand quartier, quoi, faut le dire. C'était un grand quartier, tout le monde nous enviait. Ah bon, oui, quelle était la référence du plateau de 15 ans à cette époque? La référence plateau de 15 ans à cette époque, c'était quoi? C'était l'éducation. Et puis ouais. À midi, tout le monde était chez soi. Le soir, 18h, laver, poudrer, on est à la maison. Les choses ont changé. Hein, on ne tenait pas dehors. Et ça faisait. Ça, voilà. Ça, les gens de l'extérieur nous ont vu à cause de ça. Ah, donc, et nous, on mangeait à table à midi. Ok, donc le plateau de 15 ans, enfant bien éduqué. Ah ouais. Donc les parents étaient pas les moindres. Non, 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 modestes, mais bien. Okay. Et ils se connaissaient tous. On se connaissait tous. On se connaissait tous. Voilà, donc. Moi qui habitais la rue Bangou, je connaissais quelle famille, la famille qui habitait la rue Ndouo, la famille qui habitait la rue Lampakou, la famille qui habitait. Voilà. Les parents se connaissaient aussi. Les parents se connaissaient. Surtout qu'il n'y avait pas trop de bar, donc ils se retrouvaient quelque part là. Bon, ils se connaissaient. C'est pourquoi aujourd'hui, vous partez pas du plateau de 15 ans, vous préférez construire et vivre toujours au plateau de 15 ans.
C'est pour ne pas perdre cette identité ou pas? Ah, ça, c'est une question qui me fait toujours. Mais non. C'est pas ça, c'est pas parce que qu'on aime le quartier. Non, on sortira un jour. Mm-hmm. On est là, bon, on va partir. D'autres sont partis, mais reviennent. Oui. Moi, je vais partir, mais je vais revenir toujours au plateau de 15 ans. Oui. Mais le souci, voilà. C'est important. Mais bon, le plateau au centre, et puis le plateau, comment faut le dire, ça a une bonne base. Il y a une identité quand même, plateau de 15 ans. Ah oui. Même pour les enfants, l'éducation, tout ça là, c'est. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Je peux pas habiter à Wendy. Ça va pas marcher, l'éducation et puis. C'est difficile. Ouais, les habitudes. Ouais. Ouais. Pour le dernier mot, en fait, message que je vais passer à tous ceux qui vous suivent. Et lequel, premier? Nous sommes là avec vous. Dites un dernier mot, en fait. Bon, on est là, Baba, dans le quartier. Quartier de Kamoko. Ah, okay. Pas l'enganaté. Tu vois, tu sais, Kamoko. Mais pas trop qu'elle ne t'aime. Tu vois, là-bas, tout robot. Tu vois, la présidente, là-bas, là. Je préfère que tout ça en a. Tout ça, le bon qui peut te communiquer. Bon, il peut tout ça, là-bas, y'a. Tu peux, ça, là-bas, là, qui va couler l'angou, le coeur, il te couler l'angou. Le coin est tombé dans ma vie, Ghana, on a quoi, on va mettre ma boule, tout ça. Tu vois, quand on va mettre ma vie au pain, ma vie d'endos, banane, tout ça, on va mettre ma boule. Tu sais, tu es lui, tu peux aider la peine, moi, la bino. Vraiment, bino, vous allez à Poto, au Sanganaka. Tu sais, vous allez à tout le monde, au Sanganaka. Ils ont une gomme, ils ont une famille, c'est une famille, c'est une force. C'est ça. Tout le monde a beau, au bazar, vous avez divisé sur terre, oh, tu es baki, mon gars, la tête, tu es baki, mon pongo, tu es baki, sur les têtes. Non, on était un. Moi je vais chez toi, je mange de ma dessous, je vais chez ma coin de Roger, je mange de ma dessous, je vais chez là-bas. Mais c'était une ambiance terrible. Mais, bon sang, tous en habit. Dans l'association, je tombe les carousels, moi blog membre, pas à se retrouver dans la tête. Bon, merci de courage. Okay. Merci à bientôt. Yvan Jossard, Kiongazi, Lengoma, Arsène, Londres, ils sont tellement nombreux. Vous êtes belé, c'est la mouton mouquée, mais vous êtes belé, Loulendo, Sayo, Belva. Vraiment, okay. Bon, surtout. Ok, allez, merci. Merci beaucoup. Attends, bonjour. En tout cas, moi, je regarde. Mère Ali, ça va? J'ai dit, où est-ce que Nani. C'est qui ça? La haute, la fin de la poire. Comment est-ce que ah, vous allez quoi? Comment il y en a?